Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Typico point cap dominé actualité avec le journal là. Famille France, Sati Georges, yon fait 12 l'année, individu exam, te kidnappé la caille dans un châtelain Gonaïve, pour des explications, ayer jeudi 6 mai 2021, sous comment, yon dérivé fait ça, kidnapping ça, pour une deuxième fois, sous France, Sati Georges, on s'y fait 12 l'année, nous jour, dans zone châtelain, dans pleine Gonaïve. Haïti, qui pour tourner l'enfer, chaque jour en plus, équipe PHTK a passé sous pouvoir. Parole, président de la commission chapelle évangélique Christlan, pasteur Ménès Blanc. Bureau avocat international du BAI avec Molégaf, par l'état des paroles, question de pas ordonné pour président républicain Jovenel Moïse, qui est différents partis politiques qui est en opposition à parler actuellement là. Secteur démocratique et populaire, écrit secrétaire d'État américain, pour rappeler que le mandat constitutionnel du président républicain Jovenel Moïse bout depuis 7 février 2021. Comme ça, porte-parole secteur, estimé Bagayou, commencé à bouger beaucoup de communautés internationales qui commençaient à parler même langage avec opposition politique là, dans le pays d'Haïti. Toujours dans le dossier politique là, vice-président exécutif qui est les affaires développement politique dans MTV Haïti, Dr. Émile Erard Charles, pour des clarifications sous position parti MTV, ensemble avec quatre autres formations politiques qui gagnaient à ouais acte départ ordonné que proposé pour le président de la République de Jovenel Moïse, capable de quitter le pouvoir avant longtemps. Dossier référendum, porte-parole national parti politique réformiste, Dr. Steve Vito Fisnea, rejeté projet référendum sous constitution que le gouvernement républicain a parlé là, que le pays a traversé crise politique avec une crise insécurité. Plus loin, coordonnateur départemental parti réformiste Steve Vito Nea déclaré remettre un document par ministre Mathias Pierre sous dossier constitution. Fonds patriotique populaire continue à plaider pour gagner une solution à l'haïtienne dans la crise qui gagne en deux pays d'Haïti. Pendant qu'il n'est pas d'accord du tout avec divers appels qu'a placé bon côté organisation d'État américain pour bailler aide pour résoudre la crise qu'a traversé le pays d'Haïti. Dossier sécurité, annoncé comme monde qui mourit samedi passé, délégué syndicat SPNH 17 ans, Guerre Brigefroy, qui fait réapparition. Policier a fait connaître, il était victime en bas de l'équipe monde qui était 15 âmes dans Méo, dans Avenue Christophe, dans Port-au-Prince. Il croit que c'est les anges qui mènent retourner sous terre parce qu'il peut comparer pour le mourir. D'après parole, Guerre Brigefroy, qui s'est délégué dans le syndicat SPNH 17 ans, au sujet de l'information, ça, dans la constance maintenant, quand il était joué, il y a une photo qui démontrait Guerre Brigefroy t'a bien dans son lit dans une avenue Christophe dans Port-au-Prince. Mais depuis là, pour que j'aime rejoindre un cadavre, Guerre Brigefroy, Josia, il prend la parole, il dit qu'il est encore vivant, laissez les anges mener tourner sous la terre. Bon ça, porte-parole syndicat SPNH 17 ans, Domon Saint-Cyr, fait qu'on n'ait pas en mesure pour confirmer voix, il est dans les réseaux sociaux, s'il t'a vrai voix, policier, Guerre Brigefroy qui disparaît depuis semaine passée dans Port-au-Prince. Porte-voix SPNH 17 ans, Domon Saint-Cyr, dit qu'il essayait de réaliser le téléphone, il faut que j'en arrive à répondre au téléphone. Les citoyens en rue égalité, le PKP, lundi 6 mai 2021, pour dénoncer l'autorité, qui n'a jamais dit rien, concernant Drain Cassolel, qui charge avec Fatra, à chaque petit goutte de la pluie qui tombait, c'est gros inondation qui fait dans la zone. Avec dossier kidnapping, nous avons démarré le journal Le Pécampé pour jeudi, vendredi 7 mai 2021. Famille France, Sati Georges, qui ont suffi 12 l'année, individu à examen, t'es prêt à la Kaili pour une deuxième fois dans un châtelain, dans pleine Gonaïvelan, pour des explications, ailleurs jeudi 6 mai 2021, sous comment Zaksa a été arrivé passé en d'un Kailan. Madame Yaniel Delalleux fait connaître, ça fait pour deuxième fois, même bandit ça y est, rentrer la Kaili à examen, prêt l'argent avec tout notre bagage, gagné en dedans et puis kidnappé Tignesli qui gagne 12 l'année Franz Seti Georges pendant les rappeler ça fait deuxième fois il a kidnappé Tignesli qui veut sauver tous les deux fois ça yo en bas mais ravisseur madame Yonel Delalleux dit yo pas de temps bagarre puis ça yo en ken l'agent Lesco n'a signalé que la police s'est posé la patte sous deux bandits qui t'a kidnappé petit ça qui c'est Franz Seti Georges depuis dans commencement semaine.
Nous invitons à écouter madame Yaniel Delalleux, lui-même qui c'est ma tante France Sassi Georges que bandit a été kidnappé pendant le week-end passé à dans Châtelain dans Godaïve. On écoute. Il était environ 1h du matin pendant nous coucher n'a dormi et puis les yeux mon lumière dans yeux moi et puis me dit me relé on ensemble yo parce que me toujours que tête fait mal toujours visiter me tout temps et puis il dit pas moun sorti et puis son bras garçon me tendez l'aim garder moi au monsieur il mettait cagoule maré figuré et puis il dit me descend cabane puis il gagne ça m'amène m'a besoin de qui j'aime ceci descend cabane me coucher à terre après ça il est passé dans toute l'autre chambre yo fait toutes mes dames yo coucher à terre des grand neveux il maril parce que c'est petit garçon de il faut faire coucher à terre son côté en l'air yo passé là c'est yo passé yo passe son côté en l'air là et puis il a tiré yo rentré là yo rentré kounia yo dit que yo trouvé nous fréquent pile pour un petit monde sauver et puis kounia pour nous ranger comme nous pour nous prendre petit monde encore nous pas bailler l'argent nous passer sur ça là yo dit il y a pas le boisson il a tiré il y a bagaille ayo fait l'obé en danger ça et puis bon c'est jour ça même était plus saisi. Et puis après ça yo y aller dans chambre encore mais m'gain l'autre sœur ça qui gagne un petit demoiselle qui gagne 18 ans qui dans philo mais il connait souffrir cœur et puis il gagne un problème rétouffement. Koulia yo dit que c'est lui apprend, yo prend vrai, c'est lui yo prend yo va sortir avec et puis maladie apprend. Il pas ca kembe col il tombe dans même yo. Et puis les ouais ça et puis yo quitter lui dit mais ça nous te prend déjà nous va le prendre parce qu'il a besoin l'argent. Et puis Koulia y aller, il souke petit petit là. Ça c'est dans 1h du matin ça passe effectivement. Et puis au soukel et puis petit là dit maman ça gagne encore et puis maman dit kidnappé on pas besoin tout petit là mouri et puis maman dit abio bah il dit madame sou pas bailli la couleur m'a tué sous cabane dans devant là et puis couleur maman habillé encore maman bailli et puis maman embrassé et puis maman dit bon Dieu que t'aimer nous aller à la peine on vini après dit que Jésus t'a la vienne parler la première fois Jésus t'a sauvé nous mais deuxième fois là Jésus pas pour sauver nous et puis après ça il y a l'ensemble avec lui après ça même côté là. Après ça, il a tiré, oui, il dit police, ça, il a tiré, il a fait l'op contre l'obé. Bon, c'est laisse à yo beauté, laisse à yo prendre télévision, yo prend rad, yo prend soulier, yo prend gen moun ki te ki ta pou ti kòb ba nou, parce que dans le premier événement qui t'est passé, pour nous te ka manger, bon, yo prend tout bagay sa ou net, c'est parce que yo prend tout te. Combien fois que tu as demandé dans la deuxième fois? Dans la deuxième fois, yo pas gen demandé, mais ça qui vient passer, parce que pas gen téléphone pour yo rele encore. Tout téléphone bloqué, pas gen téléphone pour yo mande encore, ou te ki ta prend tout téléphone. Kou li a nou oblige rete nap ton. Et puis quand il y a là la police vient encore OK fait même bagaille yo dit bon OK après faire recherche etc. Quand il y a n'attend quand il y a dans 7h du matin et puis là oui la police a fait mener mouvement la police devrait faire mener mouvement parce que dit première fois et ça pas de bagaille mais deuxième fois là non il y a mener mouvement non mener mouvement mais c'est même petite là li ban nou problème cœur nous qui t'a relé docteur pour li presque mouri dans mais nous et puis après ça dans les 7h du matin et puis nous garder nous en taxi a sorti ici et puis petit Aldès taxi a son grand monde qui mène venir et puis nous sauver encore une deuxième fois elle demande comment ça s'est fait il dit dormi prend yo tellement fin fait bail yo dormi prend yo et puis elle a pour ouvrir porte là pour le sauver et puis porte la fait bruit yo levé yo kembel il fait force ensemble avec yo il est là en moué. C'est pendant qu'il est en moué et puis tu es un taxi qui t'a passé, taxi attend des bruits. Puis taxi a fond retour, il attend des bruits, taxi a barré, puis c'est là où la gueule. Quand il a couru, et puis il vient rencontrer la taxi. La taxi a dit, sors, il dit qu'il n'a plus que de deux depuis hier soir, et puis taxi a dit, montez mal, mais nous ne pouvons pas. Vous avez écouté madame Yaniel Delalleux, lui même qui t'a porté précision sur ce kidnapping ça qui fait souffrance. C'est Georges, je suis 12 l'année que m'a dit exemple de kidnappé pendant week-end là, il est arrivé sauvé en bas mais rabis yo pour une deuxième fois après il a kidnappé sans que famille pas arrivé bail yon singob rouge. Nous parler dans dossier politique dans la Tibonite là pour nous Haïti pour tourner l'enfer chaque jour en plus que équipe PHTK a passé sous pouvoir dans pays. Selon le président de la commission chapelle évangélique Christian, pasteur Ménès Blanc. Puis loin, président de la commission chapelle évangélique Christian, dit population pays d'Haïti, doit lever campé de façon générale pour barrer plein dictature. Président de la République, Jovenel Moïse, voulait implanter un dans le pays pour Pita Papitris. Nous invitons à écouter collaborateur nous, Milson Madeus, Kabanou, un reportage. Président Grande Commission Chapelle Évangélique Christ là voyager était bien loin référendum président mandat fini Jovenel Moïse
continue à parler dans la radio. Président grande commission chapelle évangélique Christ là, révérend pasteur Manès Blanc fait connaître président de facto monsieur Jovenel Moïse pas gain ni titre à qualité pour la parler de référendum ni élection. Pasteur Manès Blanc conseiller population qui ça pour faire pour empêcher plan ça passer. Gal a prend bloquer pays à camper pays à du nord au sud de l'est. Il va prendre ce maintenant. Les papes font semaine, non? Pays, la communauté internationale, frange qui derrière Jovenel, là. Il y a une semaine pour, ça a été le 28 février, Port-au-Prince, là. Ça a été le 28 février, à tel enseignement, là. Il était dans toute ville, et puis pays a bloqué, solution. Il a pas obligé, Jovenel a pas obligé de fermer, en culpa. Mais tout autant, nous étions, oh, l'école, Fatimouna, l'école, pays va bloquer, pays va bloquer, ça. Eh bien, qui dit, non, il y a une parole, il dit, qui n'est pas biblique, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Eh bien, article 134.3, toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. 184.3, aucun amendement de la constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Donc, et sous texte constitution, ça, eh bien, Pasteur Manès Blanc, pas qu'à l'autre gens, Pasteur Manès Blanc, opposé, point 2, dans la constitution, l'y montre clairement depuis 7 février, président fait un travail, dans le kidnapping, c'est ça, président fait. Président Paca, président vient compter, vient faire addition 5 plus 7 égale. Maintenant, président papi fort, papi qu'on compte passer dernier monde à l'échelle nationale ou internationale. Président, grande commission, chapelle évangélique Christ là, pasteur Manès Blanc, voyager de tout, parole dialogue, pour yon départ ordonné, pendant ajouter pour dire, si tout secteur yon pas mette tête ensemble pour barrer plan ça, l'a tellement si maille la troublée, insécurité, l'a fait élection et puis tout le monde a obligé quitter pays à bali à l'équipe PHTK si peuple là pas levé camper. Merci Madeus qui t'a parlé nous sous déclaration ça qui sorti beaucoup de grand commission chapelle évangélique Christ là qui c'est pasteur Menes Blanc qui annonce pays d'Haïti a gagné pour tourner l'enfer chaque jour que l'équipe PHTK a passé en plus en dedans pouvoir. On salme des peuples haïtiens pour le campé, pour dire non à régime dictatien, et puis pour demander non à président républicain Jovenel Moïse, de façon pour Pita Papitrice. Nous parlons pas les mobilisations pour nous bureau avocat international, BAI, avec Bodegap, pas des refusés tant de questions, des pas ordonnés, et à parler pour président républicain Jovenel Moïse, d'après j'en différents partis politiques en opposition, hein, t'avlé à demander ça actuellement. Directeur exécutif BAI, maître Mario Joseph, avec directeur général Bodegap, David Oxygène, estime que le président de la République, Jovenel Moïse, doit quitter le pouvoir sans quelque condition et sans perdre de temps. Pendant le palais de nécessité, pour mettre campé, il y a un gouvernement qui a fini avec le système qu'il a pour couler là. Maître Mario Joseph, avec David Oxygène, qui est directeur exécutif BAI, avec directeur général Molegaf, ils ont tous les deux parlé sur le César. Nous avons écouté. Tout le monde connaît l'objectif peuple haïtien, c'est fini avec le système Pétion. C'est fini avec lui. Net alcoolé. Pas quitter un et la donne encore. Un pile fois, peuple a été fait avancer avec quelques avant-gardistes, d'un coup, Gérard Blancourt, d'un coup, René Depès, il a trié en 1946 pour te fini avec le système. Politiciens ont fait coupe, ils ont contourné et nous là toujours. Et je ne dis pas, même les gens sont là. Alors que l'objectif population, c'est pour l'opposition joindre un accord qui est sincère, qui a sorti, non. Ensemble, force qui constitue opposition réelle pour mettre un pouvoir transition rupti qui a poussé d'eau Jovenel Moïse et pour quitter le pays, à quitter le pouvoir. Nous parlons de logique de départ ordonné, parce que le départ ordonné, elle sort de son côté. Origine, c'est aux États-Unis, impérialistes américains qui n'avaient pas pour capable de laver Jovenel Moïse avec l'équipe Lyon sous gagoter l'argent Petro-Calibé. Ils ont gagoté l'argent Petro-Calibé, ils ont gaspillé donc caisse l'État, puis avec un départ ordonné pour. Criminel méchant PHTK ou pas jugé. Ça dit pour bah on m'élevé. Ça t'est fait déjà avec Raoul Cédras. Ça dit Cédras allait octobre 94, je vais être à l'entrée. Donc, il fait une Cédras allait d'une façon ordonnée, il va juger.
Donc nous-mêmes, nous pour un départ immédiat, nous départ pressé, sans condition et qu'il paie réactionnaire satellite impérialiste américain qui c'est Jovenel Moïse pour gagner un gouvernement de transition. Mais le gouvernement de transition, on lit tout. Qui lutte qui gagne? Gagne un groupe de monde dans la société, tant que le secteur démocratique et populaire, qui a porté une position politique. Position politique, secteur démocratique et populaire, c'est aller vers le coup de cassation. Mais nous-mêmes nous disons, est-ce qu'elle est possible pour nous aller vers le coup de cassation? Nous disons, non, pas possible. Là, aller vers le coup de cassation, c'est aller nous aller vers l'institution pour qui est dans la société. Nous-mêmes nous disons, nous parlons de position politique pour des cassations. Position politique, nous, c'est aller vers un gouvernement sali public. Sali public, là, voulait dire sali pour tout le monde. Délivrance pour tout le monde. Vous avez écouté M. Barry Joseph, qui est directeur exécutif BAI, Bureau Avocat International, avec David Oxygène, qui t'a parlé pour Molegaf. Toujours le dossier politique, secteur démocratique et populaire, écrit, secrétaire général de l'Organisation État américain, pour rappeler le mandat constitution président public dans Jovenel Moïse, qui vient en bout de depuis la date 7 février 2021. Porte-parole secteur ça, M. André Michel, dit le confiant, bagaille commencé à bouger sérieusement, par contre, la communauté internationale, qui commence à parler même langage avec opposition politique là, dans le pays. Avocat militant, fait qu'on a une discussion qu'a fait quoi là, avec l'autre ami dans la communauté internationale, pour permettre, yo mener une bataille diplomatique, pour en rappeler, pas qu'il y a aucune possibilité de dialogue avec le président républicain, Jovenel Moïse. M. André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique, acte populaire, pays d'Haïti. Secteur démocratique populaire écrit à secrétaire d'État américain pour rappeler américain que mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021 et pour nous dire Jean 68 congressmen américains non lettre voyez bail et secrétaire d'État américain monsieur Blinken dit-il Jovenel Moïse pas gain ni crédibilité, ni autorité pour faire ni référendum, ni élection en Haïti. Et nous disons très clairement, à cette phase des débats, pas gain aucun groupe politique sérieux, pas gain aucun groupe dans la société civile là, qui pourra rentrer dans la négociation pour cohabitation avec Jovenel Moïse. La solution, c'est le départ immédiat de Jovenel Moïse pour faciliter l'installation de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, choisi par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. Effectivement, il faut le reconnaître, jusqu'à aujourd'hui, les Américains, communauté internationale continuent à supporter Jovenel Moïse. Et le peuple haïtien a déjà rejeté Jovenel Moïse. Si c'était pour le peuple-là, Jovenel Patapla encore. Il a toujours, grâce au support américain. Cependant, faut dire que les lignes diplomatiques commencent à bouger à Washington. Là où il y a 68 congressmen qui dit élection pas possible, référendum pas possible avec Jovenel Moïse, parce que mandat fini, bon, garantie que le département d'État américain n'est pas capable de continuer à cracher sur la position exprimée par les 68 congressmen. Pour nous, les choses commencent à bouger. Les choses commencent à aller dans la bonne direction et sur le terrain, il faut continuer, il faut accélérer la mobilisation. Bon, écoutez, nous entraînons dans une démarche diplomatique au niveau du secteur démocratique et populaire. C'est pas seulement Mounsayo nous écrit, nous rencontrons ben l'autre représentant pays étrangers en Haïti. Nous expliquons très clairement que Jovenel Moïse aujourd'hui, c'est le principal obstacle à l'organisation des élections. Et depuis Jovenel Moïse, là, élection pas jamais possible. Nous expliquons très clairement que c'est Jovenel Moïse qui a fédéré les groupes armés dans le but de prendre le contrôle des quartiers populaires et du territoire national en général. Nous expliquons très clairement que Jovenel Moïse est un irritant. Il faut écarter cet irritant pour mettre en place un gouvernement constitué d'hommes et de femmes crédibles pour faciliter le retour à l'ordre démocratique, pour faciliter la réalisation des procès des différents massacres perpétrés dans les quartiers populaires, Bel Air, La Saline, Cité Soleil, Pont Rouge, Gafoufeuille, et pour faciliter également l'aboutissement du procès Petro-Caribé en cours depuis plus de 3 ans.
Ou t'as écouté porte-parole de la secte démocratique et populaire dans le pays d'Haïti, maître André Michel, qui écrit Organisation État américain, yo, pour dire que mandat président républicain Jovenel Moïse, il vient d'emboutir depuis 7 février 2021. On s'attend, M. André Michel, fait quoi que, gagné, bagaille, qui a bougé, par contre, communauté internationale, là, qui a parlé presque même langage avec opposition politique, là, en dans pays, là. L'autre nouvelle, il y a un vice-président exécutif qui a fait développement politique dans MTV Haïti, hein, Dr. Émile Erard Charles, poté clarification sur position partie, hein, ensemble avec 14 formations politiques, qui a, ouais, avec départ ordonné président public dans Jovenel Moïse. Monsieur Charles, voulait jeter critique si là, qui croit que c'est une possibilité pour cohabiter ensemble avec pouvoir, lui dit, pas qu'aucune cohabitation possible avec pouvoir PHTK ça sous n'importe qui forme. Monsieur Charles, qui c'est vice-président MTV1, qualifié pouvoir comme corrompu, incompétent, et n'y pas gagné capacité tout pour porter solution avec problème qu'a traversé le pays d'Haïti. Docteur Charles Fekonet, dirigeant MTV Haïti, te parlé de nécessité pour préparer départ ordonné président République de Jovenel Moïse pour éviter le pays à tomber dans chaos perpétuel. Nous invitons à écouter Dr. Émile Erard Charles, qui est vice-président exécutif dans le parti MTV Haïti, parti Dr. Reginald Boulos. On a commencé par dire qu'il y a pour quitter le pouvoir. Il y a pour quitter le pouvoir, son gouvernement corrompu, son gouvernement incompétent, incapable. Son gouvernement qui n'est pas capable de payer la sécurité, qui désorganise l'éducation dans le pays, qui n'est pas capable de travailler, qui n'est pas capable de créer un bon. Son gouvernement qui désarticule tout le monde pour ne pas habiter avec Kakina. Tout d'abord, ce sont des tenants du pouvoir de facto. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune légitimité et aucune légalité pour être en force depuis le 7 février. Non, mais ils sont au pouvoir. Ce sont des autorités. C'est des autorités de facto qui citent ce pouvoir parce qu'ils ont fait des gangs, parce qu'ils ont un lien d'agrin, parce qu'il y a créé une ambiance de terreur dans la population, qui empêchait que nous fonctionnions normalement et que nous gagnions un climat dans le pays qui propice à l'avenir. Donc, bref, c'est des incompétents avec lesquels nous partions. Nous, les cinq, avons signé cette note, nous n'avons aucune intention de cohabitation avec eux. Du tout. Sous aucune forme. Donc, c'est ça que nous voulons aller. Et aller le plus vite que possible. Maintenant, nous voulons aller qui sont. Nous voulons aller dans l'ordre de la discipline. Parce que nous n'avons pas intérêt dans le chaos dans le pays. La proche de son pays, là, dans le 21e siècle, là, nous pensons qu'il faut aller dans le chaos. Non. Ça veut dire que moi-même, je peux comprendre des jeunes, là, ont une espèce de envie vive ou de rêverie, de romantisme révolutionnaire, à venir entrer dans la logique de chaos. Mais non, nous-mêmes, nous ne croyons pas que le chaos a bon, justement, pour le futur du pays. Hein. Donc, non seulement un map tout, étant que moi-même, TV, mon directeur MTV, que moi, pour ne pas ordonner, pour ne pas apaiser, qui doit être dans la sérénité. Ça veut dire que nous sommes anti-chaos à MTV Haïti. Nous pas d'accord, nous pas contre le chaos a bon. Nous croyons en révolution. Mais la révolution ne peut pas être chaotique. C'est pour ça que nous disons que penser ne peut pas être seulement chaotique. Ça veut dire que nous avons droit à une révolution. Qui change par ailleurs systématiquement, ça passe par le chaos. C'est pour ça que nous pensons pas forcément un bagage figé sur des théories du passé. On a construit de nouvelles théories politiques, je dis en AMD, de nouvelles façons de faire de la politique et de nouvelles réponses à apporter et même de nouvelles stratégies politiques. Notre idéologie est une idéologie construite par des têtes haïtiennes et notre façon de voir aussi les choses. Donc nous-mêmes, nous parlons qu'une timidité et on autorise personne à nous enfermer dans un carcan idéologique donné parce que nous sommes capables, nous autres, de poursuivre de la pensée. Et c'est ça la fin de dire là. Nous sommes heureux que quatre autres formations rejoignent nous le processus de quête et de recherche de départ ordonné. On est très content de ça et le partage à Venn de notre volonté de ne pas cohabiter avec ces incompétents, mais en même temps de préparer une sortie qui permette que le pays a pas sombré. Qui est un bac là en pleine mer agité, jusqu'à ce que nous arrivions à bon port. Et c'est ça, je dis à que MTV Haïti a fait, et que nous demandons tout le monde qui voulait que nous arrivions à bon port, viennent rejoindre nous pour nous gagner l'autre Haïti, vraiment, côté soleil là à pleuver. On a écouté Émile Charles, qui est vice-président exécutif MTV Haïti. Nous allons parler référendum pour notre porte-parole national parti politique réformiste, Dr. Steve Vito Fisnea, rejeté pour le référendum constitutionnel gouvernement Jovenel Moïse, là, a parlé pour moi, Jean Kabila, alors que le pays a traversé une grosse crise politique avec crise insécurité. Coordonnateur départemental parti politique réformiste, là, Steve Vito Fisnea, mandé pour gagner un accord politique qui jeune pour permettre tout secteur en deux pays capable de chiter ensemble pour garder si il y a une possibilité
pour ta gagne un référendum pendant souligner c'est là gagne une assemblée constituante qui formée pour ça yo capable river faire un référendum sur constitution pays d'Haïti. Docteur Steve Victor Fisneyar, c'est porte-parole national parti politique réformiste là, nous invitons à écouter. Ou pas capable gagner un pays côté gon crise sociopolitique qui sévit ça fait longtemps de cela. Et puis pour aller faire référendum pendant que y a une crise en d'un pays a pas gagné un accord politique. Nous dit que faudrait-il bien que y ait un accord politique. Et c'est accord politique ça qui permet que tout secteur vital de la nation yo chita ensemble pour yo envisager si oui il y a lieu d'avoir référendum. Et référendum ça la fête les gens assemblée constituante parce qu'on pas qu'à bail 5 moun chita pour y a rédiger un texte qui s'est baptisé tout un pays, c'est-à-dire au détriment même de cette population. Dans ce sens, le parti réformiste dit, les papes prennent, c'est son coup d'état et virtuel de qui fabrique là, par comité consultatif dit indépendant, qui a marché fait lobby en dans tout pays, là, pour yon avant-projet constitution que nous-mêmes nous qualifier de yon décision cosmétique pour la consommation des gens qui sont au pouvoir. Vous avez écouté porte-parole national parti politique réformiste non docteur Sifitonea qui plus loin fait qu'on est yo remettre un document par ministre Mathias Pierre sur dossier constitution pays d'Haïti. Porte-parole parti Docteur Néa, on fait connaître, il tape travail pour l'autre constitution, mais pour document ça, conseil consultatif, la mettez de Yoa, yo quoi, il est pas bon, dans ce sens ça, parce que formation déclarée, yo veut rejeter document projet, nouvelle constitution, que comité consultatif, la mettez de Yoa. Docteur Steve Fito Néa, on fait connaître, yo te fait, yo ensemble, proposition à que considération générale, côté bien article 1 de la constitution, qui doit changer. Constitution, conseil consultatif indépendant à travailler là, pas bon du tout pour peuple haïtien. Parole Steve Fito Fisnea, qui c'est coordonnateur départemental, également porte-parole national dans le parti réformiste là. Nous te plancher sur avant-projet constitution ça pour nous te remettre un document avec ministre là. Par-dessus le marché, lui-même, il vient pour le devoir pour lui porter lui by comité consultatif indépendant qui te travaille sur avant-projet constitution ça. Nous-mêmes en tant que parti réformiste, plus précisément qui t'a fait lobby pour un autre système politique, une autre constitution en deux pays parce que nous estimons que constitution ça que nous gagnons était obsolète, dépassée par les événements. Mais le côté paradoxal de cette affaire, ça que comité consultatif dit indépendant à faire ce qu'il est pour le moment en des pays, nous-mêmes en tant que parti réformiste, nous rejetons d'un revers de main. Dans ce sens, nous te faisons une historicité de l'affaire. Nous te faisons un rappel des faits. Nous te faisons un ensemble de propositions. Nous faisons un ensemble de critiques tout. Et nous faisons des considérations générales. Et nous arriver avec une conclusion. Il y a des articles qui sont très pointus en la Constitution, ça, avant projet. Par exemple, article 208 qui parlait de conseil électoral permanent, il fait mention que c'est chaque département, y compris la diaspora, donc a bien possibilité pour présenter 3 membres à travers la société civile de chaque département. Et puis la priorité à la discrétion du président de la République pour choisir yon là-dedans. Ça, je pense que la présidence prend le peuple haïtien comme étant idiot, utile. Gagnons l'autre article tout, 202, de même avant-projet, constitution ça. Il fait mention la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la gagne 9 membres. Dont 5 là-dedans yo a nommé, par exemple, c'est président Assemblée nationale la Kabaye. Et l'autre 4 là, c'est président de la République Kabaye. Ça a vite montré qui ça. 9 membres la Cour supérieure des comptes a vite formé avec 2 pouvoirs éminemment politiques.
nous-mêmes dans la partie réformiste, nous rejetons. OK? Plus précisément, deux articles. Donc, au lieu que nous sortions dans la Constitution, nous pensons qu'il y a un problème, et nous-mêmes dans la réformiste, nous disons qu'il y a un problème, mais ça nous est écrit là, nous pensons que même conseil consultatif n'a pas rendu service à la nation haïtienne. C'est ainsi que, dans la conclusion, nous arrivons à l'évidence que le conseil électoral, ça qui là, c'est un conseil électoral hors de la loi, donc qui supposé renvoyer au calende grec. Dans le même dossier politique, là, il y a un Front Patriotique Populaire qui continue à plaider pour une solution à la haïtienne, la crise qui gagnait depuis quelques temps dans le pays. D'après PPP, il n'y a pas d'accord du tout avec divers appels qui ont lancé bon côté organisation État américain pour avoir une portée participation pour résoudre la crise qui a bouleversé le pays d'Haïti. Front Patriotique Populaire dit qu'il n'y a pas quatre possibilités tout pour la communauté internationale à imposer une solution dans le cas où les Haïtiens n'ont pas capable de chiter ensemble. Comme ça, Front Patriotique Populaire renouvelle appel pour différents secteurs capables de chiter pour être capable de résoudre la crise là, qui déjà duré trop dans le pays d'Haïti. Jean-William Gentil a parlé pour Front Patriotique Populaire. D'autre, c'est effectivement ses positions FPP par rapport avec et des paroles qu'il a tendues dans le pays, hein, comme Tadjou, Gonse, des secteurs politiques qui estiment que dans la crise qui vient là, vraiment, c'est monopole, ça veut dire son crise qui concerne les politiciens qui sont au pouvoir avec ça qui est théoriquement dans l'opposition. On prend, c'est dans ce sens ça, eux-mêmes, ils ont décidé pour régler la crise ça entre eux, et ils ont décidé de faire appel avec une organisation aussi contestée que l'OEA, parce que dans l'histoire, l'OEA avec nous, ça veut dire que c'est un combat son instrument qui n'a mais les États-Unis pour empêcher toute démocratie, tout changement démocratique dans l'Amérique latine. Moi, nous-mêmes, nous estimons que par rapport à l'histoire des pays, par rapport à la complexité de la crise, par rapport à l'investissement que les pays fait dans la bataille pour chercher au moins une solution haïtienne dans la crise, nous trouvons les malvenus pour des acteurs haïtiens estimer que la plus bonne façon de résoudre la crise, c'est faire appel à un organisme pour OEA. Et puis qui pour venir discuter entre eux, comme dans nous, peuple là pas trop concerné, c'est pas peuple là qui est victime au jour le jour, c'est pas lui-même qui a toutes difficultés, ça, en bas kidnapping, en bas violence, en bas assassinat, et puis il écarte lui, et puis c'est comme dans nous, son petit barret entre deux groupes qui ont fait appel à OEA pour venir résoudre. Nous-mêmes, nous estimons au contraire, crise ça, on prend son barret, il n'y a pas aucune façon pour résoudre lui, si c'est pas haïtien qui baille tête, les mécanismes nécessaires qui pour permettre yo entendre sous côté où vous aller et puis pour yo dans discussion et même si possible dans bataille avec international là imposer aux solutions haïtiennes là. Donc même c'est comme ça nous comprendre et c'est peut-être ça nous sortir notre ça c'est pour exprimer des accords nous par rapport avec attitude ça qui pas correspond du tout avec qualité crise qui est là et par rapport à qualité réponse qui t'a dû sortir dans crise à demander monsieur Damio pour faire preuve de plus créativité, de plus originalité dans façon à réfléchir sur solution qui t'a dû voter dans crise à parce que ça vous proposez là, il pas correspond du tout avec enjeu que nous avons là par rapport avec investissement ou bien sacrifice que population fait pour sortir dans ça lieu là. Dossier guerre Bijefoualan, on connaît gens ça a été annoncé comme un monde qui mourit samedi passé hein, délégué syndicat SPNH 17 là. Guerre Bijefoualan refait apparition sous scène là, j'en connais là pendant semaine là. Police ça fait qu'on est les victimes en bas même équipe monde qui était gen zam nan meyo nan avenue Christophe dans capitale pays en Port-au-Prince. Quand il fait qu'on est les blessés ak balle, tout le monde était capable voir photo li qui était viral sur tous les réseaux sociaux depuis samedi passé hein, quand il dit ta ben nan san li, il était wel comme monde qui était mouri. Avocat SPNH 17 là, M. Jean-Fritz Magny, était confirmé la mort délégué SPNH 17 là, Gerbi Geoffroy. Venez jeudi hein, Gerbi Geoffroy qui t'a parlé sur yon média en ligne Zoom Haïti confirmé que li encore présent les anges yo même qui dit poko ka mouri li gen mission pour régler toujours en dans SPNH 17 là faut vin changer condition la vie frère d'âme policier yo pour ça yo voye le tourner sur la terre après 3 jours li te fin passé li mouri qu'on a li ressuscité en coûter parole Gerbi Geoffroy. Même quoi, yon agence en ligne Zoom IT News, écoutez ça. Seulement songer, son groupe monde qui est en bien civil, bagadi ni ses policiers ni ses, m'kap di ses bandits,
parce que il y a beaucoup de monde qui pas habillé, qui pas porté uniforme. L'institution qui aime toujours bataille pour lui, c'est la police. Donc, quand même, qui a avec examen dans en civil, il a toujours prétendu que c'est bandit. Mais, sauf que, ça qui va, parce que même, il y a des dans le visage, mon, malgré le fait noir, parce que, malgré pas mon bord de presse, mais, depuis à 5 ans, mon en ville là, mon en pile grand bandit. Moi, je connais, même quand on a un bac corpulence, je dis, c'est yo. Ça, c'est moi qui me rappelle, il y a des gens parmi les gens qui étaient assassinés, qui ont songé visage ou bien, visage ou été dans l'esprit. Quel est ça passé dans quelle zone comme ça? Bon, comme zone ça, je ne vais jamais tourner dans zone ça encore. Et ça fait que je suis capable de dire quelle zone, mais je ne vais jamais tourner dans zone ça encore. Ça, j'ai que la presse, grand pile presse qui a une information vraiment de bonne source, mais il y a des petits doutes qui baillent l'autre. Mais ça passe exactement dans l'avenue Christophe. Mais c'est pendant que je suis cherché. Mettez-moi à l'abri parce que nous avons eu une information. Il a dit moi que côté je suis déplacé, je connais que je ne suis pas trop allé bien circuler. De temps à autre, je me fais déplacer. Pendant que je suis déplacé, et puis je m'en écrivais au côté pour mettre à l'abri. Pour être capable de continuer avec ce souffle de vie, c'est là que. Et je connais parce que les bandits débarquent sur moi. J'ai toujours dit que c'est bandit parce que je ne suis pas trop uniforme la police. C'est les gars, ici, là, avec gros âmes, puis les gars, ouvert balle sur moi. Ou t'attendez, parole ça y est, c'est voix, Gerbi Geoffroy, Lydie, qui t'est mouru, qui ressuscité, il t'a parlé d'une agence en ligne, qui est le Zoom Haïti News, dans la capitale pays, Port-au-Prince. Sous Bob Pali, gagné porte-parole, syndicat SPNA 17, là, Domon Cécile, il fait qu'on est, yo-même, yo pas en mesure pour confirmer voix, que attendez sur les réseaux sociaux, voix qui t'a passé là, voix, Boun qui t'a parlé sous agence en ligne qui les zoom Haïti, hein, comme voix policier Gerbi Geoffroy qui disparaît depuis finissement semaine passée. Porte-parole SPNA 17 là, Domon Saint-Cyr dit, yo essayé reler Gerbi Geoffroy en pile fois dans téléphone, yo pour aux gens capable de jouer téléphone dans son nom sans réponse. Membre SPNA 17 là dit, il a continué à rechercher yo. Parce que, y'a beaucoup qu'à baler de la mort, Gerbi Geoffroy, parce que jusqu'à présent, y'a beaucoup gens, rivés jeunes, cadavres, camarades, frères, Gerbi Geoffroy, qui t'a baigné ensemble, dans avenue Christophe, dans la capitale pays à Port-au-Prince, gens, photo a circulé sur toutes les réseaux sociaux, pendant tout commencement semaine. Nous avons plutôt côté, pas de parole, la syndicat SPN à 17 ans, de Mont-Saint-Cyr, qui a porté précision sur question ça, qui mettait tout le monde, non pas qu'être confusion. Beaucoup capable de parler de la mort qui a vécu parce que des messages à circuler sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, et à travers eux-mêmes, que nous apprenons que David Jeffrey a pas senti, c'est une façon de mourir, parce que l'image-là, l'on a gardé le niveau de l'humanité, c'est pour comprendre nos bagailles, et ça permet de nous comprendre, non. Donc, essayer de prendre une salle d'hier, en même temps, tout, nous laisser les parcelles de tout, parce que nous espérons que nous, ouais, cadavre qui a vécu Jeffrey, c'est gagné un collègue policier qui est capo qui mourit après ça par chambre de sol par contre ça le dessus. Donc vous êtes analysé sa prévention qui a porté hier avec un fil étonnement, nous avons senti une voix qui parlait, semblait que c'est voix qui a dit ça. Nous pouvons capables de connaître est-ce que c'est lui-même tout bon qui parlait. Nous avons cherché plus d'informations pour connaître parce que nous essayons de régler encore par téléphone pour nous essayer de joindre. Pas que nous nous défendons, nous apprenons une nouvelle là, nous avons un téléphone, et je sais si nous avons un contact avec femme, on est qui sacrifié. L'un de ces hier, nous pas jouer une série, également pas parler que nous avons habitué à parler avec les défendants, nous comprenons que tout va vite, ça va mourir, et que la on est quand même parce que la foule est là, vous le connaissez, chacun des moyens, c'est le bon, je comprends, c'est ouais, bien. Donc, il va arriver le nom, on va dire, les COVID, c'est pas besoin de réponse qui allait nous réveiller. Et on dit tant de voix à tout, même si nous-mêmes nous sommes là, c'est important pour les moments là, pour les, pour qu'on apprenne que ça semble vivant. Là, je sais qu'on est, mais pourquoi pas garder une déclaration que le cas, même pour que le chef lui-même dit, ça vivant, c'est vous présenter le physiquement, et puis espérer juste lui-même, la va ouel, la va comprendre, et faire une déduction, et porter avec population, information, et conclusion de affaire ça que vous-même faites, humaniste, un avocat. Donc, un avocat se base toujours sur des faits et sur le vol. Peut-être que M.
vers le manier d'initiative, pour regarder l'image en image du sol, pour sa capacité, il fait conclusion, il fait une conclusion que lui-même lui pense que c'est normal et juste. Mais nous-mêmes, de notre côté, la majorité, nous, c'est toujours réfléchi, c'est toujours appris. Pourquoi qu'on a couru parler de l'embourgadiché, ça, parce que nous pouvons être cadavres, et c'est pour qu'on chita sur bagage beaucoup plus, pour nous bien, beaucoup plus tangible, parce que nous avons une citation, une simple photo, nous avons une citation, une simple photo, pour nous dire que Guerre qui mourit, tout autant que nous pas ouais cadavre là, tout autant que nous pas gagné l'autre bagaille, nous pas gagné un monde qui t'a dit que l'été, ouais, l'autre côté, ou bien bon, il y a une citation, une bagaille qui est beaucoup plus riche. Bon, nous t'es parlé avec les familles sur ça, parce que les mouais photos, surtout t'as concerté, nous fait appel avec les familles pour qu'ils comprennent, ouais, ils vont. Donc, selon lui-même, là, la tête photo, là, il est évident dans sa position. Maintenant, dans la globalité, à nous tous, tout est, ouais, que c'est pas ça que c'est, parce que dans la majorité, d'après ce que nous-mêmes nous parlons, donc c'est nous-mêmes ceux qui nous parlons. Donc, si par rapport avec ça que nous, ouais, à nous, c'est sceptique, c'est pas capable de tout le monde qui paraît discriminé parce que c'est ça qui nous vaut. Mais nous attendons plutôt que nous jouons des bagages beaucoup plus concrets, des bagages plus palpables que nous cachitassons, effectivement. Donc, c'est que les gens que nous allons gérer, c'est par rapport avec, pas mourir, monsieur, à l'explication que nous rejoignons. On va dépendre des explications, selon l'explication que nous jouons. Parce que les NAP essaient d'analyser tout. L'envoi monsieur qui pour sur les réseaux sociaux et apparition monsieur encore sur les réseaux sociaux, elle n'a pas lu bien analyser, elle dit fait nous comprendre nos bagailles, il t'avait fait nous comprendre nos bagailles. Mais c'est ça que t'avais fait nous comprendre, c'est ça effectivement là, nous gagnons des discussions. C'est la suite que nous-mêmes nous apprenons à l'unanimité, nous gagnons et une façon que nous allons camper pour faire la presse comprendre et faire la population comprendre. Ou t'as écouté Domon Saint-Cyr, porte-parole syndicat SPNH 17 ans, qui t'a réagi sous Voix ça, qui a circulé sous l'agence en ligne Zoom Haïti News, qui fait croire que c'est Gerbi Geffroy, qui s'est délégué SPNH 17 ans, qui ressuscité, qui retourné à la vie, Jean Dillon, c'est les anges qui mènent sous la terre pour venir remplir mission en dans police nationale, pays d'Haïti. Nous, à descendre la caille, à venir dans Gonaïve, pour nous dire que plusieurs citoyens, dans l'égalité, le PKP, jeudi 6 mai 2021, pour dénoncer autorité, qui pas jamais dit rien, concernant Drian Cassolet, qui chargé à Quatra, débris toute qualité, à chaque tir d'appui tombé, toute caille, dans zone, en bas de l'eau. Citoyens ont dit, depuis sous ancien magistrat, Topa Moïse, je crois que c'est qu'on travaille nettoyage qui était fait en dans Drian ça. Citoyens ont dans l'égalité déclaré, directeur travaux publics dans la Tibonite, ingénieur Blondo et Diver, accompagné des délégués départementaux, et donc, Généjelus, fait plusieurs promesses, comme quoi, il a pu ne quirer, Dre Cassolet, là, en qu'en a rien pas jamais fait. Citoyens, ça va prévoir, dans le jour qu'il y a pour bloquer rue égalité, bouler caoutchouc, pour faire tant de voyous, pour être capable de faire revendication au passé. Nous invitons écouter quelques citoyens dans rue égalité, qui tapent exprimer frustration, yo. Bon, pour nous-mêmes, dans la zone, nous presque pas cacher les têtes noires avec le canal là, parce que tellement le canal là va nos problèmes, l'eau a circulé, et spécialement là, quand même là, tout en dedans, tout ces dossiers de canal là pas qu'à circuler, l'eau a pas qu'à descendre, qu'on y a là, toute la couba ici, tout ces dossiers net, tellement le canal là va nos problèmes. Nous t'as, bon, si on t'a fait ça pour nous, bon, hélas, nous n'avons pas besoin encore. Ok? Canal là seulement, si on t'a fait ça pour nous. Ah, mon cher, je m'en raconte, depuis que le canal s'est nettoyé. Non, il y a longtemps, oui, base. En pile, ok? Nous-mêmes, nous sommes là pour nous. Il y a arrangement parmi nous, car le canal là tellement de problèmes, nous ne sommes pas capables, parce que nous n'avons pas de matériel. Nous demandé à l'État, s'il vous plaît, pour faire presser, parce que c'est notre temps là, puis nous aller là, pour être capable de venir faire un bail pour nous, peut-être. Nous avons une solution. Non, bon, tellement de l'eau, pas qu'à ce qu'il est. C'est dans le canal là, même l'eau a sauté. Citoyen, vous avez vu dans zone, comment vous remarquez le canal là? D'abord, le canal là, pas bon même, dites. Début de l'eau, début de descendre, égal. Début de l'eau, là, lui fait la pile là, égal. Tout le monde est net dans zone là. Il est dans zone net, à cause du canal là, pas jamais nettoyé. Le canal là, nettoyé. De sous-tout pas, m'gwè tout que l'anzak ne fait qu'il soit pas un fan, rien là-dedans. Quel cas-t-il a pu le faire? Toutes nos zones inondées, net. Toutes nos zones inondées. Quand net, inondées nos zones, dès que la vie descend, toute zone ça net. Toutes cas inondées, net, l'ordinateur dans tout. Oui, fatarikos. Toutes fatarikos, toujours, y'a la gueule dans le grand drain ça. Et drain bouché.
boucher égal la loi pas circuler en bas le bouche en bas net doit pas circuler toute dose dans la commune il y a entré nous pas faire des marches pour autorité à même nous faire des marches dans autorité là au vini yo avec quelques matériel yo mettez là fait 2-3 jours pour garder cette pour garder cette ce peuple là quand peuple descend yo prendre encore yo pas faire rien là dedans. Oui, il y a des matériels dans la zone. Non, il y a des matériels là. Les peuples bouchés là, ou pas de ou pas mouton, ou pas descendre. Il y a besoin de descendre dans ce peuple là. Il y a des matériels là. Il y a des fantigiens. Quand ce peuple là descend, il y a des prendre à la veille, il y a des mêmes gens. Mais qui ça me dit de drain? Monsieur, il n'y a pas de volonté pour faire drain. Jovenel Lombo a bâillé menti, il met délégué là-bas nous menti. Pour les encore les équipes Marissa Banoumati. Ça, je voulais en appel. N'a bloqué, on bloque en bas. Boule caoutchouc, y'a pas Jovenel lié. Pas gagné encore, non. Nous finissons par aller saluer, oui. Est-ce que nous allons faire des marches au prêt? Souvent, Blonde doit brasser nous, Banoumati. Souvent, chaque jour. Blonde doit Banoumati. Nous pas gagné nos cafés. Pays d'Aïti, on s'allie. C'est à Baboulier, qu'on gagne à Babal à tirer. Mouna prend balle. Brigandard et puis tout bien fait. Est-ce que vous voulez nous dire ça? Dressa, c'est tout pas Moïse. Nous parlons dans l'île de la Gonâve pour nous dire de Renol qui est correspondant à Radio Pyramide, fait quoi que responsable de la protection civile avec la Croix-Rouge organisé une journée formation. Ayez jeudi 6 mai 2021 pour mon protection civile dans deux communes sous l'île de la Gonâve de façon pour capable aider population dans la saison cyclone qui parle bien pour l'ouvrir à partir du 1er juin Kabina. Nous avons plutôt écouté correspondant à Radio Pyramide là de Renol sous l'île de la Gonâve capoter plus précision. Responsable protection civile avec la Croix-Rouge dans la Gonâve te procédé avec une journée formation. Yone jeudi 6 mai 2021 pour ma protection civile dans chaque section communale yo sous Ilea. Yon façon pour yon capable faire travail là pi bien. Montira Joseph, coordonnateur régional protection civile dans commune Ansagalea, dit satisfait après journée formation si là pour ma protection civile yo. Participant yo, subopay yo, dit yo pral travail avec plus professionnalisme après séance formation ça faut que nous di ou après d'après responsable yo c'est dans toute 11 section communale nou yo formation si là a réalisé yon façon pour travail là capable fait pi bien na bénéfice population gonavienne la Gonâve Doré Reynold Radio Pyramide FM. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.